côté du soleil. Vite comme l'éclair, ses ours sont planétaires. Quand il arrive un incident fâcheux, c'est eux qui tirent les marrons du feu. À droite les galinous, 5, 4, 3, 2, 1. Vous verrez, vous n'aurez même pas le temps de vous rendre compte de notre absence. Vous êtes sûr que vous n'aurez pas d'ennui? C'est certain, Véritours. Nous allons veiller à tout. Tu peux nous faire confiance. D'accord, brave cœur. Mais rappelez-vous, l'anniversaire de Paradours compte particulièrement dans la grande histoire de la famille des Calinours. Oh, c'est pour ça, noble cœur, que nous ferons tout pour que ce soit la plus belle fête que Paradours ait connue. Tu es sûr que nous arriverons à nous occuper de tout ça pendant leur absence? J'en suis tout à fait sûr, Doudours. Rien de plus simple à faire, c'est presque jeu, tu verras. Mettez-en plus par ici. Il faut déplacer les étoiles. Doudours, ça va avec les guirlandes? Ça va, brave cœur. Mais une des ampoules est mal vissée. Attends encore une petite minute, je vais voir. Bon, on fera avec ça, ça ira. Commence par nettoyer, puis installe les étoiles là-haut. Et mets les lumières là-bas. Oh, vite, c'est elle. Pourquoi Véritours et Noble Cœur nous ont-ils chargés de cette responsabilité? Tu en as une idée, toi? Mais c'est toi qui leur as demandé, brave cœur. Ah, c'est vrai. Mais j'ignorais que ce serait compliqué à ce point-là. Ça n'avait pas l'air bien difficile. Nous n'aurons jamais fini tout ça. Attends. Je crois que j'ai une idée. Nous devrions supprimer toutes ces décorations dignes d'un carnaval. Hein? Jamais! Cela fait partie de mon projet qui est rempli de surprises et d'extravagances. Quand j'organise une petite fête, j'organise une petite fête. Ton projet, tes extravagances. Je croyais que nous travaillions tous les deux. Excellente idée que tu as là, Doudours. Nous allons travailler tous les deux. Je te dis tout ce qu'il faut faire et toi tu le fais, c'est d'accord? Tu commences par nettoyer ici, puis tu installes les étoiles là-haut et mets toutes les lumières par là. Maintenant, à l'attaque! Oh, oh, brave cœur a fait un gros boum! Oh, 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 oh! Bébé Cernousse va te faire un baiser et tu n'auras plus mal! Oh, brave cœur! Dis-nous, c'est l'anniversaire de Paradours, mais c'est pas quelqu'un, c'est impossible. Écoutez, bébé Nours, nous allons célébrer le jour où Noble Cœur et Véritours prirent la décision de créer la famille Calinours. Vous comprenez? Non, je crois que non. L'anniversaire de Paradours, c'est celui des habitants de Paradours. Nous fêtons les Calinours en famille. C'est un anniversaire pour tout le monde. Est-ce que tu sais ce qu'on pourrait offrir comme cadeau d'anniversaire, Doudours? Je crois savoir. Vous devriez faire un spectacle genre duo. Un duo? Oui, un duo. Pour nous faire voir que vous êtes tous les deux capables de nettoyer puis d'installer les étoiles. Un duo que nous regarderons tous. Vous devriez chanter, danser ou faire ce que vous voulez. Chouette, chouette alors. Oh, nous savons danser. Regardez. Dis donc, nous avons gagné du temps, brave cœur. Cernours et Tirnours ont fini la décoration. Oh là, oh là. Je sais ce qu'on va faire pour notre duo. Si on avait... Ah, chouette, chouette alors. Oh, tu as toujours de bonnes idées, Tirnours. Oh, tu es vraiment très fort. Oh, l'anniversaire de Paradours sera merveilleusement drôle. Oui, j'en connais un qui va être heureux d'apprendre ça. L'anniversaire de Paradours. Oh, je suis certain que Cœur Dur fera tout pour saccager cet anniversaire de mal. Thank you.
l'anniversaire de Paradours, fiche-moi la paix avec ça. Oui, mais cœur dur, mais vous savez que c'est notre chance. Je déteste encore plus ces petits gardiens de sentiments poilus que l'amour et la bienveillance qu'ils représentent. Mais aujourd'hui, grâce au pouvoir de cette pierre précieuse, moi, cœur dur, je vais enfin pouvoir réduire à néant et pour toujours la famille des Kalinours. Et qu'est-ce qu'on fait au sujet de l'anniversaire de Paradours, cœur dur? Mais c'est à vous, ça. Sors d'ici tout de suite, bestiole! Dehors! Et ne reviens pas sans me ramener un Kalinours. Je veux essayer les pouvoirs de ma pierre. Ah, Paradours, enfin. Je me demande quelle couleur de Kalinours cœur dur préfère. Peut-être en rose. Ou alors un bleu. Pourquoi pas un joli vert plutôt? J'adore le maïs soufflé. Rapide, aucun lapin arrive. Écartez-vous tous, faites la place. Puis-je faire autre chose, brave cœur? Puisque tu es là, tu n'as qu'à commencer par nettoyer. Ensuite, tu t'occupes des étoiles, tu ôtes Monsieur Bestiole d'ici et... Monsieur Bestiole? À l'attaque! Yippie, yippie, yeah! Venez voir Fernours et Tirnours dans leur numéro de radio. Et je vous le dis, il faut le voir pour le croire. Hé, hey, tu as vu ça? Ça alors, je l'ai manqué. On va l'avoir, Tirnours, c'est moi qui te le dis. Tirnours! Cernours! Ah! Yeah! Youpi, nous tenons le bandit, Tirnours! Tirnours! Cernours! Ah! Oh! Les oursons, vous êtes sauvés. Oh, oh. Elle va tout détruire sur son passage, non? Il faut l'arrêter et au plus vite. À l'attaque! Nous n'aurons jamais tout réparé avant que Viritus et Noble Cœur ne reviennent. Ah, oh, alors, brave cœur, qu'est-ce que tu penses de notre déo? Je crois qu'il vaudrait mieux que vous alliez jouer dans un autre endroit. Allez-vous-en! Brave cœur! Oh, je sais. J'ai perdu patience. Moi, je vais essayer de leur parler. Je crois que Brave Cœur est fâché, il ne s'aime plus. Mais non, voyons. Il voudrait juste que vous cherchiez une autre idée. Oh, t'es certain de ça, Dounours? Oui, certain.
Bien alors, nous allons essayer de trouver une autre idée de duo. Oh, que t'es gentil, Dounours, on t'aime. Tu viens, Dounours? Ah, dis, est-ce que tu sais comment on joue du saxophone, Dounours? Non. Et toi? Non. Cœur dur va sûrement apprécier ma cueillette. Je serai bientôt en mesure de détruire tous les Kalinours grâce au pouvoir de ma pierre précieuse. Patron, croyez bien que je suis désolé de venir vous déranger jusqu'ici, mais... Vous m'avez dit de ne pas revenir sans avoir un Kalinours. Voilà, je suis bien rentré. Oh, oui, je regrette, je n'en ai pas rapporté un seul. Non, j'ai quand même bien fait les choses. Mais en réalité, je devrais dire mal fait, parce que mal signifie le contraire, vu que nous détestons tous un Ken. Bestiole. Tout ça pour vous dire que j'ai rapporté deux bons petits Kalinours. Vous êtes content? Il y a un rose, j'espère. Ils sont en très bon état et surtout terrifiés de vous voir. Comment voulez-vous que je sois avec eux, cœur dur, un peu désagréable? C'est mauvais, très méchant, comment? Bien gentil avec eux. Bien gentil avec eux. Il n'y a rien de plus facile. Bien gentil avec eux. Ils vont me servir d'appât, bestiole. Deux jolis appâts pour attirer toute la famille Kalinours entre mes mains. Tous les Kalinours, vous voulez tous les Kalinours ici? Oui, je vais tous les détruire grâce au pouvoir de ma pierre précieuse. Non, ne vous en faites pas, je vais m'occuper des caliapas. Des oursons, vraiment. J'ai peur, Tire-Nours. Oh, n'aie pas peur, Cernours. Fais-moi confiance, on s'en sortira. Tu sais, j'ai toujours une bonne idée quand il faut. J'étais sûre que tu saurais quoi faire, Tire-Nours. Dis-moi vite ton idée. Mon idée? Eh bien, je crois qu'un numéro d'acrobate serait parfait. Faire de l'acrobatie? Mais oui, t'as déjà vu des acrobates? Nous pourrions faire des roulades, marcher sur les mains et même sauter jusqu'au plafond. On réussira à s'échapper en faisant tout ça? T'as rien compris. C'est un duo pour l'anniversaire de Paradours. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, je trouve que tout ça a l'air très drôle. Oh, vous trouvez? Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai amené jusqu'ici. Vous serez mieux installés et plus tranquilles. Mais qu'est-ce que vous allez nous faire? Eh bien, je vais tout simplement vous aider à répéter votre numéro d'acrobate. Chouette, chouette alors. Allons-y. On est prêts. Vous êtes la plus gentille, méchante personne que nous connaissons. Si jamais su qu'ils allaient m'insulter comme ça. Hop. Vous êtes vraiment doué, monsieur Bestiole. Allez, recommencez. Il faut que ce soit parfait, entraînons-nous encore. Cette fois, je n'en peux plus de ce cirque. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, c'est Kalinours. Tu as trouvé quelque chose de Nours? J'ai cherché Tire-Nours et Cernours dans tous les coins, brave cœur. Tout est de ma faute, je n'aurais pas dû me fâcher contre eux. Il ne reste qu'une chose à faire. Une équipe de recherche, bien sûr. Regardez, là-haut. C'est écrit, cœur dur détient les oursins. Les oursins? Quels oursins? Les oursins, je veux dire les oursins, cœur dur, détient les deux oursins. Venez les chercher. Cœur dur détient les deux petits. Oh, pauvre Tire-Nours et Cernours, qu'est-ce que nous allons faire? Voyons, c'est élémentaire, nous allons les chercher tout de suite. C'est cela même, brave cœur, allons-y. Tout ça a l'air très louche.
Grognon a raison. Cœur dur est un être diabolique, il faut se méfier de lui. Nous devons dresser un plan. D'accord, nous allons entrer par derrière, les attraper et ressortir sans que Cœur dur ne s'en rende compte. Par derrière? Non, défonçons la porte d'entrée du château et reprenons les petits. J'ai une autre idée. Ah oui? Et quelle est ton idée, Tonne de Cœur? Je l'ai oublié, je n'ai rien à ajouter. C'est la porte qu'il faut défausser, il n'y a que ça à faire. Dommage, brave cœur, mais nous nous faufilerons par derrière. Parfait, venez tous avec moi, allons-y. J'ai dit tous. Hé, attendez-moi. Quelqu'un a déjà vu cet endroit? Non. Allons-y, les oursons ne doivent pas être très loin. Je me demande si l'idée de Brave Cœur n'était pas meilleure. Oh, de toute façon, il est trop tard pour faire demi-tour, Grognours. Trois étoiles d'or, un petit nuage rose. Est-ce que vous m'entendez à vous? Est-ce que c'est toi, Brave Cœur? Lequel d'entre nous est censé s'appeler le petit nuage rose? Bon, oublions ça. Est-ce que tous sont en position? Nous sommes prêts. Nous attendons ton signal. J'ai fini et je raccroche. Je crois que notre entraînement est presque fini, Tire-Nours. Notre numéro sera sûrement le plus beau de tous, je te le dis. Ils sont dans ces Calinours de malheur. Nous sommes venus rechercher les petits bestioles. Prenez-les, s'il vous plaît. Je ne veux plus les voir. Ce sont de vrais petits monstres. Enfin, votre dernière heure vient de sonner. C'est ce que tu crois, cœur dur. Compte à rebours sur cœur dur. 4, 3, 2, 1, Calinours. Notre câlin nous revient. Votre amour et votre bienveillance ne peuvent rien. Ma pierre précieuse me protège. Maintenant, c'est le commencement de la fin. Voilà notre chance. Courons tous, courons. Se sauver? Alors que j'ai fait une entrée triomphale? Vous voulez rire, je suppose. Sauf qui peut. Si tu crois que tu vas t'échapper. Je ne me rendrai jamais sans me défendre. Oh non! Oh, sans toi, petit cœur fou, ça aurait été la fin. Hé, Grolando! Hé, cœur dur! Je suis par là! Dur nous a repérés, attention! Oh, misère! Merci, Galourson! Cette fois, je vous tiens! Suivez-moi! Vite, vite! La porte est ouverte! Arrêtez! Vous ne sortirez pas d'ici! Enfin, je vous tiens! Il n'y a aucune autre issue. Vite, le pont. Vous comptiez passer par ici? Oups. Il nous a piégés. Allez-y, câlinez, Calinours. Mais vous savez que ma pierre me protégera. Il ne reste aucun espoir. Qu'allons-nous faire? Cernours, je crois que j'ai une idée. Si on lui montrait notre duo. Chouette alors. Yop. Et maintenant, préparez-vous à... Quoi? Non! Cernours, à tout non. Salut! Non! Yop.
allez me payer ça. Compte à rebours sur cœur dur. 4, 3, 2, 1, cabinet. Gardez vos bons sentiments pour vous. Un jour, ce sera mon tour, Calinours. Nous nous retrouverons. À bientôt. Je vous déteste. Ça y est, je crois que nous avons réussi. Et t'as pas oublié l'anniversaire, brave cœur. Oh, l'anniversaire de Paradours, où avais-je la tête? Nous avons encore beaucoup à faire. Reconnaissant que Nounours et Brave Cœur ont bien fait les choses. Tu sais, je n'aurais jamais cru qu'ils réussiraient à faire une si jolie fête. Et maintenant, voici bébé Cerf Nours et bébé Tire-Nours. Hop, 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 hop. Tu sais, Véritours, je crois qu'il n'y a aucune famille qui ressemble à la grande famille des Calinours. Tu as tout à fait raison. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Dommage, ils sont en train de tout rater. Dis, brave cœur, je crois que cœur dur est décidé à semer le mal sur la terre. Ces ombres mettent tout à l'envers. La population est prête à faire n'importe quoi, surtout des choses très mauvaises. Allons-y. Oh, oh non, je vois de méchants garçons qui volent des pommes. Des petites filles qui ne cessent d'ennuyer les petits frères. Oh non. Et des élèves qui trichent pendant un examen. Quelqu'un est en train de jeter ses ordures au milieu du parc. Oh oh! Je vois des enfants qui embêtent un chaton et une petite fille qui barbouille la robe de sa sœur avec de la confiture. Il y a des garçons qui ont renversé un étalage de fruits au marché. Attention à tous! Attention à tous! Cupinours et Petit Cœur Fou, rendez-vous au plus vite au parc! Des enfants effraient des écureuils. Désirousse et Chansource, surveillez bien les rues du secteur 8. Des étudiants barbouillent des façades. Toute cette malveillance va finir par nous dépasser. Nous devons à tout prix y mettre fin. Et nous réussirons, je vous le garantis, même si nous devons pour cela y passer toute notre vie. Calin 54, où êtes-vous? 54, j'écoute. C'est bien toi, Gros Nours? Non, c'est aimable. Mais bien sûr que c'est moi, tiens. Tu as entendu les ordres? Ouais, ouais. J'ai pour mission d'aller prêter main forte au petit Yvon. J'y vais tout droit. Waouh, Gros Nours, c'est ton jour de chance. Ah oui? Tu viens de trouver un trèfle à 8 feuilles. Les trèfles à 8 feuilles sont très, très chanceux. On le dit si chanceux que si quelqu'un en trouve un, il peut lui demander de réaliser 3 souhaits. Allez, essaye. 3 souhaits? Ce ne sont que des histoires. Tu crois? Moi, à ta place, je ferai un souhait n'importe lequel et on verra bien. Sornette que tout ça. J'ai autre chose à faire. Moi, j'ai reçu une mission, hein? Pas vous, des fois? Oui, oui. Eh bien alors, nous te souhaitons bonne chance, mon cher. Vous me souhaitez bonne chance? En fait, je ne souhaite qu'une seule chose. Pouvoir aider les gens, rien de plus. On voit bien qu'ils ne savent pas ce que c'est que d'écouter des grognons toute la journée. Pour une fois, je voudrais que ce soit moi le héros. Chansource, c'est un autre jouet. Ces ombres doivent disparaître. Calinours! Calinours! Hey! Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas pu faire ça. Dites, il faut nous excuser. Ça ira. De toute façon, elle devait être nettoyée.
nettoyée. Et elle sera plus belle que si elle était neuve. Merci les Calinours. Oh, nous avons une autre mission à remplir. Rappelez-vous, bienveillance avant tout. Au revoir. Yvan! Alors, tu te secoues, Trognon? Je dois pas être en retard. C'est un match de football très important. Oh, je suis désolée, François, mais mettons ça des si lourd. Oh! Oh non! Il faut que j'y aille, sinon. Oh! Arrête! Il est moins fort que toi! Quoi? Tu veux te battre, Minus? Non. Mais je souhaite que tu t'en ailles tout de suite. Oh! Je crois que je ferais mieux de m'en aller. Salut! Oh. Hein? Wow! T'as réussi! Pourtant, c'est François qui est le plus fort de tous. Ben ça alors? C'est bien le trèfle à huit feuilles? Moi qui n'y croyais pas du tout, il est censé réaliser 3 souhaits. C'est toi le plus fort, Grognours. Mais Yvon, je dois t'expliquer que ce n'est pas moi qui ai... À te voir, je t'aurais pas cru si costaud. Mais Yvon... Je voudrais être comme toi un jour. Alors écoute, Yvon, tu seras capable de faire tout ce que tu veux si tu le souhaites vraiment. Voilà, rappelle-toi bien ce que je te dis. Non, tu peux faire ça, toi. Moi, je suis trop petit, alors c'est impossible, voyons. Mais écoute, la taille n'a rien à voir dans tout ça, Yvon. Je t'assure que là d'où je viens, nous sommes tous très petits, tu sais. N'empêche que nous sommes tous très forts. Waouh! Viens avec moi, tu verras bien que c'est vrai. À moins que tu préfères attendre François. D'accord, je vais avec toi. Et maintenant, en route pour Paradours. Oh, micro, je crois que nous aurons bientôt envahi toute la planète cœur dur, les villes, les villages, les usines. Grâce à vous et à vos ombres diaboliques, la population tout entière devient méchante. Elles font de l'excellent travail, du grand art. Oh. Quoi? À vrai dire, quand je parle de grand art, c'est faux, parce que pour bien faire le mal, il faut... Oui, c'est beaucoup plus mal quand c'est... Non, je voulais dire que... Mais je ne sais même plus ce que je veux dire, moi. Bestiole. Oh, non. Oh, en ce moment, tous les membres de la famille Calinours et leurs cousins livrent bataille contre tous les mauvais sentiments que j'ai créés. Mais savez-vous ce que nous pouvons faire contre un cœur dur? Pour une fois, bestiole... Nous allons les laisser faire. Quoi? Mais cœur dur! J'ai tout prévu, bestiole. De cette façon, nous trouverons Paradours désert quand nous arriverons pour tout détruire. Vous avez décidé de tout détruire? Détruire Paradours? Oh, bigre! Un jour, je débarrasserai le monde de l'amour, de la bienveillance et de tous ces stupides sentiments. Et ce jour viendra dès que j'aurai détruit la famille Calinours. Moi, cœur dur, je ferai régner le mal. Même les nombreuses qualités de Paradours ne peuvent rien contre ma précieuse amulette. Oh. Oh, mais qu'est-ce qui arrive? J'en sais rien, c'est probablement une fausse alerte. Ah, Grognours, te voilà, je te cherchais partout. Cœur dur et déchaîné. Ces ombres poussent les gens à faire le mal. Nous devons tous descendre sur Terre, mais il faudrait quelqu'un pour... Mener la charge. Non, Grognours, il s'agit d'autre chose. Il faudrait que tu restes ici pour surveiller Paradours. Pense à nous, nous ne mettrons pas longtemps à revenir. Est-ce que tu te rends compte pourquoi tu dois demeurer ici, Grognours? Bien sûr, parce que Paradours doit être surveillé. Est-ce que tu es naïf? Ils t'ont laissé parce que pour eux, tu n'es qu'un trognon. Un quoi? Mais... Cœur dur!
Cœur-Dur est une tornade? Cœur-Dur est tout ce qu'il veut être, absolument tout. C'est lui le mal. Tu vas voir ce que tu vas voir, Balours. À partir de maintenant, Paradours n'existe plus. Grognours, qu'est-ce que tu vas faire contre lui? Mais je vais faire ce qu'on m'a demandé, je crois. Écoute, Yvon, Paradours doit être défendu, pourvu que j'ai de la chance. Oh. Je souhaite devenir... Oh non! Mon trèfle! Je ne trouve plus mon trèfle! Vas-y, cœur dur! Réduis-le en poussière! Oh non, c'est affreux! Mais non, moignon! Oh non! C'est trop bête, mon trèfle! Il faut que je retrouve mon trèfle tout de suite, sinon... Grognon! Attention! Ah, le voilà! Je souhaite devenir un super grognours! Hein? Ça va, cœur dur? Youpi, grognours! Youpi, youpi! Oh, cœur dur! Oh, c'est ça, cœur dur! Ils vont voir qui est le méchant ici! Mon vœu a été exaucé! Je suis bien super grognours! Oh, grognours! Fais attention! Personne ne reste en travers de ma route! Personne! Oh, oh, quelle horreur! Un de mes ongles est cassé! Dis, grognours, tu as encore gagné! Ah, ce Minus détient donc un pouvoir super puissant! Découvre son secret bestiole, ensuite je reviendrai le détruire! Écoute, nous nous retrouverons bientôt, espèce de petit minable! Tu peux revenir quand tu veux, cœur dur. Super Grognours est là pour te recevoir. Il n'a pas peur de toi. Tu es extraordinaire, tu sais. Mais je... Mais... C'est-à-dire que... Tu l'as dit toi-même. Même si on est tout petit, il suffit de vouloir et on réussit. Voilà. Oui, Yvon, oui. Mais j'avais un... C'est toi le plus fort, Grognours. Et moi, je veux devenir comme toi. Tu as su leur montrer qui était le meilleur. Donne-moi ça, petite. Laissez-moi tranquille. Oh non. Carara, donne ça, je le veux. Moi aussi, j'en veux. Au secours. Brave cœur, regarde, là en bas. Ah, donne, allez. Charge. Tiens, allez. Calimours. Voilà, nous leur avons réglé leur compte à celle-là. Brave cœur, Champiours, on signale des troubles au centre-ville. Si ça continue, on n'arrivera pas à rentrer chez nous. Soyez sages! Ah oui, merci, encore merci, au revoir! Tu crois que cœur dur va revenir, Grognours? Je serai lui, j'éviterai de faire cette bêtise. Tu vas lui montrer que Super Grognours est toujours là, hein? Ah ça, tu parles! Wow! Tu sais, dans son intérêt, je crois qu'il vaudrait mieux que je sois moins super. Oh non! Qu'est-ce que j'ai dit là? Grognours! J'ai anéanti ma super puissance. J'ai gâché mon dernier souhait. Cœur dur va bientôt revenir. Et voilà que je suis incapable de soulever un nuage.
Oh, bigre, bigre. Attendez que je dis ça, cœur. Rien ne me fera rater la vengeance de cœur. Rien, je vous dis. Comme ça, ce petit prétentieux a perdu sa superpuissance, c'est bien ça. Oh non, cœur dur. C'est pas ça, non, c'est pas ça. Oui, cœur dur, je l'ai vu. Il était incapable de soulever un os. Je vais donc pouvoir en finir avec cette boule de poils. Après ça, je m'occuperai de sa maison. Il est temps pour moi de retourner à Paradours. Yeah! Oh, je ne veux pas rater ça, je ne veux pas, ça vaut une glace au hareng fumé. Hey, attendez-moi! Il ne reste qu'une chose à faire, me sauver et vite. Partir tout de suite. Je suis tombé Paradours. J'ai laissé tomber mes amis. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai déçu Yvon. Quel beau héros je dois faire à ses yeux maintenant. Si seulement je savais quoi faire. Mais voilà, que faire? Mais bien sûr, je sais. On peut faire tout ce qu'on veut si on fait vraiment tout pour y arriver. C'est ça. Fuir devant le danger ne résout rien du tout. C'est mon devoir de rester ici. Je dois finir ce que j'ai commencé. Voilà. Hein? Je suis désolée, ma petite amie étoile. Hé, grenours, toujours aucun signe de cœur dur? Yvon, il faut que je t'avoue quelque chose. C'est de la magie qui a chassé François et cœur dur si vite. Tu as dit magie? Mais tu as dit qu'il suffit de vouloir pour que ça réussisse. Je sais, j'ai eu tort, j'aurais dû t'en parler avant, Mais je croyais que tu étais fort, tu as dit que les petits aussi peuvent réussir. Mais je suis toujours persuadée que si on veut réussir, il faut le vouloir. Ainsi, c'était de la magie. Et tu veux t'enfuir parce que tu sais que cœur dur revient? Non. Je suis bien prêt à faire mon devoir et à protéger Paradours. Mais Grenours, il va te piétiner, tu es trop petit, c'est de la folie. Que comptes-tu faire? Gagner, parce que je l'ai décidé. Grenours! Attends! Je suis de retour, Minus. Oh, cœur dur! Fin, Kalinours de malheur. Il est temps de faire ta prière. Grognon! Yvon! J'ai réussi! Je t'ai sauvé! Si tu veux continuer, ne gêne pas, hein. Tu crois qu'on peut le battre, Grognon? Non. C'est ce que je craignais. Si nous réussissons à le fatiguer, il perdra ses pouvoirs. Et j'espère bien que les autres ne vont pas tarder à revenir. Très juste. Allons-y. Cœur dur, ils sont ici. Vite, 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 de ce côté. Ils sont par là, par là. Il est temps d'en finir, Kalinours. Tu cherches quelqu'un? Je dirais même plus.
vous allez goûter, ma jolie. C'est l'heure de payer, Calinours. Tu vas regretter de t'être mis en travers de mon chemin. Oh, bravo. Salut. Mes pouvoirs. Ça y est, Grognours, il n'en peut plus, il n'a plus de pouvoir. Il m'en reste assez pour en finir avec vous deux. Mais Paradours n'a plus rien à craindre de toi, Cœur dur. Regarde, les Calinours. Sur Cœur dur, compte à rebours, 4, 3, 2, 1... Calinours. Oh non! Je vous préviens, les Calinours, un jour, c'est moi qui gagnerai. Mais Cœur dur, je n'en ai jamais douté. Hé, Cœur dur, Cœur dur, attendez! Grognours, que s'est-il passé? Oh, rien du tout. Je n'ai fait que mon devoir d'assurer la protection de Paradours. C'est tout. Tu étais tout seul et pourtant tu as réussi. Mais voyons, brave cœur. J'étais avec Yvon et il m'a bien aidé. Vous n'étiez que deux contre l'infernal cœur dur. Ce n'est pas vrai. Vous avez réussi à lui tenir tête quand même. Oui, peu importe la taille que vous ayez, pour réussir, il suffit de le vouloir. C'est mon ami qui l'a dit. Hein, Grognours? C'est ça, Yvon. C'est évident. En plus, tout le monde sait ça.